Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. All, big all, extreme all, tout ce que vous voulez. Franchement j'ai reçu énormément de choses. Faut vraiment que je vous montre tout ça. Donc dans ce haul il y aura deux concours. Il y en a un que je vais vous présenter tout de suite. Et ensuite vous verrez le suivant. En tout cas si cette vidéo haul vous plaît, je vous dis à tout de suite. Let's do it. Je suis trop contente de refilmer, vous pouvez pas savoir à quel point je suis vraiment trop contente. Donc les amis, la marque Cookies Makeup m'a proposé de vous faire un concours. J'étais vraiment trop contente. Franchement vous savez, les rouges à lèvres que je vous ai présentés il y a pas très longtemps dans une vidéo swatch qui a vraiment bien plu. Donc j'étais vraiment trop contente que vous l'ayez apprécié. Voilà, elle m'a proposé de vous faire tout simplement un concours cette marque là. Et franchement c'est une marque que j'adore, j'ai adoré la découvrir. J'ai adoré vous la faire découvrir aussi. Donc voilà, j'ai choisi 5 teintes, mes 5 teintes chouchou qui sont juste là. Vous savez, il y a 17 teintes. En fait ça ce sont les rouges à lèvres long stay, voilà, de la marque Golden Rose. Donc ce sont les long stay liquid matte lipstick, voilà, qui se prouvent, qui sont vraiment trop jolies. Les teintes elles sont vraiment à tomber. J'ai adoré vous faire la vidéo swatch que je vous mettrai en barre d'infos si c'est pas déjà vu. Donc j'ai choisi 5 teintes, mes préférées, pour le concours. Et le concours se passera sur Instagram. Donc voilà, je vous montre d'abord les teintes. Je vais pas les swatcher, mais si vous voulez les voir, je vous mettrai la vidéo swatch en barre d'infos. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne porté. C'est quand même plus sympa. Donc j'ai choisi celui-ci, c'est le numéro 03 pour le concours. Le numéro 05, le numéro 06, regardez les teintes de rêve, elles sont vraiment trop belles. J'adore. Et moi aujourd'hui je porte le numéro 05, voilà, celui du milieu, il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop joli. Ensuite il y a le 12, voilà, le 11 et le 12, voilà c'est ça. Un nude bien sûr, et puis le 12 que j'ai trouvé absolument magnifique. Donc voilà les petites teintes que j'aime vraiment beaucoup. Après honnêtement j'aime tout, je vais pas faire genre, j'aime toutes les teintes, elles sont vraiment très belles. Je sais même pas s'il y a les 17 dedans. Waouh, honnêtement j'aime toutes ces teintes de rouge à lèvres, elles sont vraiment trop belles. Donc les amours, pour remporter ces rouges à lèvres là, c'est tout simple, voilà, ces 5 rouges à lèvres que je vous ai présentés, c'est tout simple. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube qui est celle-ci, être abonné à mon compte Instagram qui est Makeup Chic 119, être abonné au compte Instagram de Cookies Makeup que je vous mettrai aussi sur Instagram et en barre d'infos. Ensuite il faut liker cette vidéo là, il faut liker la photo du concours que je vous posterai en même temps, voilà, très bientôt, enfin aujourd'hui je pense. Et puis voilà, et ensuite la dernière chose qu'il faut c'est reposter la photo d'Instagram avec le hashtag concours et le hashtag giveaway que je vous expliquerai tout en barre d'infos et également sous la photo Instagram. Donc voilà, si vous voulez des beaux rouges à lèvres vraiment magnifiques qui sont vraiment trop beaux, la tenue elle est vraiment extraordinaire, je les aime d'amour. Je vous invite à voir ma vidéo swatch, comme ça vous allez comprendre, ils sont vraiment trop bien. J'étais trop contente de vous lancer ce concours là. Donc n'hésitez pas pour participer, ça se passe sur Instagram et aussi sur YouTube parce qu'il faut liker la vidéo et être abonné à ma chaîne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour le concours. Oh my god, honnêtement j'aime trop cette couleur. Donc franchement n'hésitez pas pour le concours, foncez participer. Donc ensuite les amis, j'ai reçu deux trucs trop bien. Je suis trop contente. Donc des One Piece, des combinaisons One Piece. Et c'est juste incroyable. Regardez-moi le sac là, je suis trop contente. Donc voilà, je suis vraiment super contente de vous présenter tout ça. Alors j'ai pas regardé encore, donc j'ai hâte de vous montrer. Alors j'ai choisi deux modèles vraiment trop jolis. Et franchement tous les modèles sont trop beaux. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas One Piece, c'est tout simplement ce sont des combinaisons vraiment cocooning, super tendance, très à la mode, que tout le monde s'arrache. Et franchement même les stars portent ça, Kim Kardashian, Beyoncé, voilà, qui vous voulez. C'est pour les mecs et pour les filles, et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment les combinaisons à avoir, absolument les combinaisons tendance, en vogue, à la mode, et juste magnifique. Donc je vais ouvrir ça et je vous montre un petit peu. J'en ai reçu deux et je suis trop contente, franchement. Oh, c'est trop bien, franchement je suis trop contente. Donc voilà, il y en a ici et aussi dans ce sac là. Franchement j'aime trop cette marque, donc même les sacs ils sont trop beaux, quoi, c'est trop cute. Voilà le petit logo One Piece qui est magnifique. Et voilà, et du coup bah voilà, oh là 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 là, je vous ouvre tout ça et je reviens tout de suite. Waouh, oh my god, regardez comment c'est trop joli. Alors déjà c'est très bien emballé, très bien présenté, regardez c'est comme ceci. Et alors là je vous montre, oh là là c'est trop beau, franchement je suis trop contente. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Attendez, j'enlève ceci et regardez, elle est magnifique, elle est trop belle. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez une capuche comme je vous avais déjà montré, je vous en ai présenté plein de fois parce que j'adore trop ces combinaisons, j'en ai plein parce que je les aime d'amour. Donc voilà, les combinaisons One Piece, ça se présente comme ceci, une belle capuche. Vous avez une fermeture en fait que vous pouvez fermer jusqu'en haut, c'est la spécificité de ces combinaisons. Elles sont vraiment très agréables, elles tiennent hyper chaud. Regardez-moi les détails, c'est trop joli, quoi, c'est vraiment magnifique. Ça c'est le modèle Aviator, je vais vous dire exactement le nom de ce modèle, mais il est vraiment trop beau. Ensuite voilà, vous avez des petites poches juste là. Et ensuite vous avez au niveau des jambes, vous avez aussi des motifs, regardez les détails, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau.
Voilà, et ça se termine comme ceci, comme vous le voyez. C'est vraiment super super joli. Après il y a plein de différents modèles, mais ce modèle là il a retenu toute mon attention. Et il y a d'ailleurs plein d'autres modèles que j'adore et que je porte assez souvent. Ma soeur aussi elle adore ça, elle en est fan. Donc voilà, ça se présente comme ceci, c'est vraiment très joli. Regardez les détails à ce niveau là il y a un petit truc comme ceci. Voilà, et je vous montre au niveau du dos comment c'est trop beau. Même dans le dos c'est magnifique quoi. Donc voilà, vous avez le logo One Piece juste là, vous voyez. Et là c'est écrit, oh, c'est trop joli quoi ce modèle. J'en suis complètement fan, franchement je les aime tous quoi, ils sont trop 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 jolis. Voilà, là c'est écrit ça, en bas c'est écrit Sleep. The Need for Sleep, ouais. C'est trop joli. Et ensuite bien sûr vous avez ça se présente comme ceci ensuite. Donc voilà, franchement j'ai trouvé cette combinaison absolument magnifique. Elle est vraiment trop trop belle quoi. Elle est vraiment trop jolie. J'ai trop hâte de la porter dans les vlogs etc. Vous allez voir que je porte ça parce que franchement j'adore. La couleur elle est vraiment très très belle. Voilà, elle est bleue, c'est un beau bleu quoi. C'est vraiment, regardez quoi, c'est vraiment trop joli. La matière elle est vraiment hyper agréable. Elle tient vraiment très très chaud comme je vous ai dit. Pour traîner à la maison ou même pour sortir, c'est tellement stylé que vous pouvez sortir avec ça, c'est trop beau. Donc franchement waouh, c'est trop joli, j'aime trop trop trop. Et du coup j'ai pris le même modèle en noir. Voilà, qui se présente comme ceci cette fois-ci. Voilà, donc ça, pour le bleu, j'ai pris une taille S. Et pour le noir, j'ai pris une taille... ou alors c'est l'inverse, je sais plus. Une taille M, un petit peu plus décontracte. Ouais, c'est l'inverse, je crois. Ça, c'est une taille S. Voilà, le noir c'est une taille S et l'autre c'est une taille M. Donc voilà, le noir même chose, hein, franchement trop beau, trop beau, je suis amoureuse. Donc voilà mes amours, on change pas une équipe qui gagne. Regardez la petite capuche, la fermeture ici, les beaux motifs, les beaux détails, vraiment sublimissimes, hyper hyper canon. Hop, et ensuite bien sûr les petites poches. Voilà, la petite poche ici, ici vous avez ceci, la fermeture éclair qui continue jusque là, voilà. Et ensuite bien sûr à ce niveau là, c'est trop beau, c'est vraiment magnifique. Voilà, et ça se termine comme ceci. Et derrière même chose comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est trop beau quoi, franchement c'est trop joli, c'est trop beau. Donc je suis trop contente d'avoir reçu ces combinaisons, elles sont vraiment hyper hyper jolies. Je vais vous donner le nom du modèle tout de suite. Oui c'est ça, c'est bien le modèle Aviator. Donc je suis trop contente, franchement ils sont vraiment magnifiques. Donc ce qu'il faut savoir avec les combis One Piece, c'est que vous avez voilà, plusieurs modèles différents pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants aussi. On m'a demandé ça assez souvent. Et ce que j'adore aussi, c'est que bah, tout simplement il y a des modèles vraiment pas chers, voilà, de la gamme Uno en fait. Et c'est vraiment des modèles à prix accessible, vraiment super jolis aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il y a plein de couleurs, plein de styles, plein de tendances différentes. Et franchement j'aime trop leur collection, je suis complètement fan. Donc voilà, je suis super super contente. Si j'arrive à avoir un code promo, je vous mettrai aussi en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les checker et bien sûr je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc allez voir dès maintenant leurs modèles parce que franchement ils sont vraiment magnifiques et je les aime trop trop trop. Oh, regardez, j'avais pas vu que c'était écrit One Piece ici, c'est trop joli. Oh, c'est trop beau quoi, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, si vous voulez votre One Piece, n'hésitez pas à regarder dès maintenant en barre d'infos pour checker le lien et craquer sur plein de modèles. Ensuite mes amours, autre petite merveille dont il fallait absolument que je vous parle, c'est ceci. Oh, franchement je suis trop mais trop contente. Donc c'est la brosse Clarisonic qui est juste magnifique, c'est la Mia Fit. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Hop là, voilà, ça se présente comme ceci. Elle est vraiment géniale, géniale. Je suis trop contente. Donc en fait c'est la toute première brosse compacte de nettoyage sonique pour femmes. Je suis en train de regarder dans mon téléphone. Franchement elle a l'air vraiment trop 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 bien. Je suis hyper contente. C'est apparemment la brosse la plus compacte et la plus nomade pour, voilà, pour bien se nettoyer le visage en douceur etc etc. Elle a l'air trop bien. Elle a l'air trop belle, elle a l'air super jolie. Franchement j'ai trop aimé. Donc je vais l'ouvrir et puis je vais vous montrer un petit peu de plus près comment elle se présente, mais elle a l'air vraiment pas mal du tout. Alors déjà quand on ouvre c'est comme ceci. Voilà, hop. Et donc comment ça se présente, franchement je sais pas du tout, j'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. Donc là je suis en train d'ouvrir. Voilà, oh elle est trop cute, elle est trop mimi. Oh, elle est trop cute. Regardez, hop, juste là. Alors hop, je vous règle ça et voilà comment elle se présente. Vous voyez, elle est vraiment super super mignonne. J'aime trop comment c'est présenté, c'est vraiment très très joli. Voilà, et je suis très contente parce que je l'ai eu en rose, donc c'est plutôt cool. Elle est trop mignonne quoi. Donc voilà, alors je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Ah, il y a plein de trucs à l'intérieur encore. Regardez, vous avez, je crois que c'est un gel nettoyant. Ouais, ça doit être ça. Vous avez bah ensuite le chargeur, etc. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt super super cool, c'est hyper complet. Et ça a l'air vraiment très très bien, voilà, pour se nettoyer la peau en profondeur, etc. C'est vraiment tout ce que j'adore faire. Donc alors je vais voir comment ça s'utilise ce petit truc. Donc on enlève ceci. Alors voilà, c'est bon, je sais comment on fait. Donc il faut clipser ça, ensuite vous retirez ceci et vous appuyez sur le bouton juste là.
Et voilà ce que ça donne, c'est trop fun, franchement j'aime trop. Et apparemment ça nettoie, vous voyez comment c'est trop trop bien. J'aime trop trop trop. Et apparemment ça nettoie, oh c'est trop agréable. C'est super super doux, j'aime beaucoup. Et apparemment ça nettoie le visage en 60 secondes seulement. Je trouve ça complètement dingue. Attendez, là vous avez... Ah c'est marrant, ça change. Ah il y a plusieurs vibrations différentes, c'est trop bien. Voilà, et donc ça nettoie le visage en 60 secondes uniquement. C'est trop bien, voilà, pour une peau souple, resplendissante, aussi puissante que sa version originale, mais deux fois plus petite. On peut l'emporter partout avec nous, c'est trop cool. Elle s'utilise partout et est 6 fois plus efficace qu'un nettoyage manuel classique. Donc voilà, si vous prenez votre gant, etc., si vous avez l'habitude de faire ça, franchement, avec ceci, c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à foncer. Moi, j'ai la Clarisonic Mia 2 qui est juste géniale. Ah oui, et ma soeur aussi, elle est complètement folle de ça, elle est fan de ça, et moi aussi. Donc ensuite, comme je vous ai dit, vous avez un nettoyant révélateur des là, Sony Gradiance, voilà, qui se présente comme ceci. Ouh, je sais pas si vous allez voir. Attendez, hop, voilà, je vous montre un petit peu comment ça se présente. C'est comme ceci. Et la Clary, elle se présente comme ceci, la Mia Fit. Voilà, et c'est comme ça. Franchement, j'ai trouvé ça super, super bien. J'ai trouvé ça super top. Ensuite, voilà, ça se présente comme ceci au niveau des poils. C'est hyper, hyper doux. Franchement, j'adore. Ensuite, mes amours, bah, comme je vous ai dit, vous avez bien sûr le chargeur qui est juste là. Vous voyez, c'est vraiment très compact. On peut le transporter partout, partout. Et voilà, donc si vous voulez vraiment une peau magnifique, voilà, en un tour de main, une peau éclatante, etc., n'hésitez pas à foncer. Franchement, moi, j'ai trop aimé. Je trouve que c'est vraiment trop cute, trop mignon. Et j'ai trop hâte de la tester, celle-ci aussi, et de l'acheter à ma soeur aussi, parce que je pense qu'elle va adorer. Et honnêtement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils aient fourni aussi le petit gel, le nettoyant révélateur d'éclat. Voilà, vous appliquez ça et ensuite vous nettoyez votre visage en 60 secondes. C'est vraiment trop bien. Même pour se démaquiller et tout, c'est vraiment top. Parce que des fois, on pense qu'on est démaquillé, mais c'est pas le cas. On n'est pas démaquillé en profondeur, etc. Vous savez, au niveau des pores et tout et tout. Donc ça, c'est vraiment trop génial. C'est vraiment trop cool. J'ai pas testé la Mia Fit, mais je vous ai dit, la Mia 2, je la connais et je l'aime trop. Donc là, je pense que je vais beaucoup aimer celle-ci aussi. Surtout quand je pars en déplacement, etc. Bah là, je serai vraiment trop 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 contente. Et ah oui, dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle existe en bleu, en rose et en blanche. Donc voilà, moi je la trouve très cute, en rose, très mignonne. Mais après, les autres couleurs aussi doivent être hyper hyper sympas. Donc voilà pour la Clarisonic Mia Fit. Alors cette fois-ci, mes amours, on passe au parfum. Vous connaissez mon amour pour les parfums. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir tester le parfum Amor Amor de la marque Cacharel. Il est très connu, il est célèbre, il est vraiment sublime. J'en entends que du bien, mais je vous avoue que j'ai jamais senti, j'ai jamais testé un petit peu sa senteur. Donc je suis trop contente parce que c'est un petit peu le parfum de l'amour, le parfum du premier baiser, etc. Que tout le monde a eu, sauf moi. Donc j'arrive après la guerre et franchement, je suis trop contente de pouvoir le tester. Je suis vraiment très contente. Donc déjà, l'emballage est vraiment très très joli. Vous voyez, c'est vraiment super super beau. C'est magnifique, quoi. Rien que l'emballage. Donc le parfum, j'ose même pas imaginer comment il va être. Donc c'est parti, j'ouvre. Voyons. Il est, c'est trop bien présenté, c'est super bien présenté. Et quand, oh là là, il est trop beau, il est trop beau. Une tuerie, en plus je suis habillée en rouge. Donc on est assortis tous les deux. Franchement il est trop beau, franchement il est magnifique, quoi. Donc voilà, c'est écrit Amor Amor de Cacharel. Je vais vous montrer un petit peu, regardez comment il est. C'est une bombe de chez bombe. Il est magnifique, c'est un bijou. Donc voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire concernant ce parfum, c'est que c'est un parfum incontournable, Amor Amor. Voilà, il est moderne, emblématique de la jeunesse. Enfin, franchement, c'est le parfum que tout le monde a eu dans sa jeunesse, comme je vous ai dit. Donc, je vais le sentir. Alors, hop là. Oh, ils sont trop bons. J'en ai mis un tout petit peu, un petit cheat, et ils sont trop bons. Ouh, comment vous dire qu'ils sont vraiment très, très, très bons. C'est un parfum romantique, j'ai envie de dire. Il est vraiment très bon. Il est envoûtant et romantique. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'ils ont écrit. Je regarde sur mon portable un petit peu. Donc voilà, c'est le parfum incontournable depuis son lancement en 2003. Il est un parfum qui donne envie d'aimer un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Franchement j'aime trop. Amor, Amor, c'est aussi une fleur et une couleur, la rose rouge. Ah ok, donc voilà, rouge pomme d'amour, rouge passion, rouge toujours. La couleur de l'amour abrite la potion Amor Amor comme un talisman. C'est trop bien, quoi, c'est vraiment génial. Je suis trop contente. Waouh, je vais vous lire ce passage. Donc c'est écrit, juste signé d'une rose qui évoque le plus sensible des tatouages, indélébile comme les sentiments les plus profonds. Et quant à son étui argent paré de rose rouge, il joue la carte du mystère et de la sensualité. Mandarine, cassis, pamplemousse, des zestes en folie racontent l'effervescence de l'amour naissant. Waouh. Ils sont trop bons, ils sentent vraiment,
Ils sentent trop bon et ça sent vraiment très bien quoi. J'adore, je pourrais sentir cette odeur pendant des heures. C'est une très belle senteur. Donc là vous avez une petite rose aussi juste là. Et puis là c'est écrit Amor Amor Cacharel. Franchement trop mignon, j'ai adoré. Et voilà, j'ai trop hâte de le porter assez régulièrement parce qu'il sent vraiment très bon. Et je suis surtout très contente de pouvoir enfin le découvrir un petit peu comme tout le monde, parce qu'il est très célèbre, il est très connu. Et voilà, j'adore. Donc gros coup de cœur pour ce parfum là. Voilà, je le remets dans sa petite boîte mais il va pas y rester très longtemps parce que je vais le porter très régulièrement. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce parfum là qui est vraiment top top top. Et dans la foulée je vous montre aussi le parfum de chez Lancôme. Wouh, une tuerie aussi. Donc je vous ai fait un post sur Instagram très récemment, La Nuit Trésor. Donc en fait c'est pour la collection de la Saint-Valentin, mais encore une fois de plus je découvre maintenant, et une pure tuerie. Donc je vous l'avais déjà présenté, j'avais la version voilà, que de décembre en fait, la version édition limitée de Noël, qui sentait divinement bon, et celui-ci je l'ai pas encore senti. Hop là, on va voir un petit peu ça. Regardez le packaging que je vous ai pas montré. C'est un vrai bijou, il est vraiment très joli. Donc voilà, La Nuit Trésor de Lancôme, édition spéciale de la Saint-Valentin. Donc toujours dans le thème romantique, etc. Vous avez vu, le packaging est vraiment très 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 joli. Donc je vais le sentir, hop là. Voilà, et j'en mets un petit peu ici. Ouh là là. Voilà. Oh mon dieu, il sent trop bon, il sent vraiment super super bon, c'est vraiment super agréable. Et le packaging, voilà, l'emballage était très joli aussi, donc je tenais à vous le montrer. Voilà, La Nuit Trésor Lancôme avec du noir pailleté, j'ai trouvé ça tellement cute, tellement joli et féerique, c'est trop magnifique quoi. Ça fait très Saint-Valentin, mais même si c'est pas la Saint-Valentin, on doit toujours être belles les filles. Donc voilà, ce parfum-là, il est vraiment énorme aussi, j'ai trop aimé. Je vais vous dire un petit peu ce qu'ils ont dit concernant ce parfum. Alors, voyons voir ça. La Nuit Trésor Eau de Toilette est un floriental fruité musqué spécialement conçu pour la Saint-Valentin. Donc, cœur battant de cette ultime variation, une exceptionnelle essence de rose d'Amacena a été choisie comme une métaphore de l'adoration, un floriental fruité masqué. Ah oui, donc cette version, elle est plus fraîche et plus fusante que l'eau de parfum iconique. Donc voilà, la précédente version qui est juste incroyable aussi. Elle est croquante et fruitée, séduite par cette tonalité verte et acidulée. Waouh, sur la peau elle se révèle singulière. Et ils ont dit créée par les mêmes auteurs que l'eau de parfum originelle, et que l'eau de parfum caresse. La Nuit Trésor Eau de Toilette est un floriental fruité masqué. J'aime trop trop trop, j'en suis complètement fan. Regardez, ça se présente trop bien avec une petite rose ici, une petite fleur. Enfin c'est trop mignon. Donc voilà, gros coup de cœur aussi pour ce parfum. Et de toute façon vous me connaissez, je suis fan de parfums. Donc je pouvais qu'adorer. Ça sent trop bon, ça sent vraiment trop bon. Waouh, j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer, mais je pense que je vais faire ça dans une prochaine partie. Voilà, je vais faire ça dans d'autres vidéos tout aussi fun. Donc ouais, je pense qu'on va arrêter là parce que la vidéo va être trop longue sinon. Et vous savez que j'aime pas les vidéos longues. Et donc voilà mes amours, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez adoré ce haul, que vous avez découvert plein de trucs vraiment trop bons. Ça sent trop bon. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous retrouver, de parler, etc. Parce qu'on fait tout ensemble. J'aime trop vous parler dans les vidéos, donc voilà, j'ai adoré ça. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous avez adoré cette vidéo, si vous avez adoré le concours. Et comme je vous ai dit, toutes les conditions du concours seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la regarder. Franchement c'est un concours génial, j'aime trop les produits Cookies Makeup, c'est vraiment des tueries. Franchement j'ai trop 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 aimé, regardez-moi ces couleurs de rêve. Donc voilà, n'hésitez pas à participer au concours sur Instagram. Et puis je vous ferai l'autre concours, je vous en parle pas tout de suite, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et là je vous ferai celui que j'ai bah juste à côté. Voilà, je vais faire une vidéo spéciale, vous verrez ça très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, et aussi à activer les notifications juste sur la petite cloche à côté de s'abonner. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Mouah, je vous aime fort, ciao. Oh my god, c'est quoi que je fais encore? Et voilà, on en met bien comme ceci. Ça pique! Oh, ah, ça pique trop!